La ville d'Audincourt, quatrième ville du département, deuxième ville de l'agglomération du pays de Montbéliard, une ville qui oscille entre 13 000 et 15 000 habitants. IDEA, avec la ville d'Audincourt, a compris qu'il fallait absolument reconstruire la ville sur elle-même, qu'il y avait beaucoup de dents creuses, qu'il y avait beaucoup d'espaces où il pourrait y avoir de l'habitat. Et lorsque vous reprenez un immeuble de centre-ville où vous le bâtissez, il faut qu'il y ait la partie logement. Maintenant, avec le vieillissement de la population, faisons attention à ce qu'il y ait des ascenseurs. Mais il faut aussi qu'on pense au commerce et aux services. Et l'idée, avec les Aristides par exemple, c'est d'avoir proposé des logements de qualité et en bas, des commerces de qualité. Il faut créer la ville qui sécrète de la convivialité. Et ça, ça passe par un appel à un organisme majeur comme IDEA qui a compris des choses essentielles, qui a compris qu'il y avait un changement de nature, à la fois du logement social, aujourd'hui. Ce changement de nature, c'est de faire de la ville, de reconstruire la ville sur elle-même et de donner des centralités à la ville, au bourg et au village. Et c'est pour ça que je conseille vraiment à mes collègues de travailler avec cet organisme logeur qui sera à leur écoute et qui essaiera de donner satisfaction à la fois à ses locataires, mais surtout aussi aux élus, à leur conception de la ville.